Chantin, 16e. Depuis quelques jours, les 1000 choristes et leurs chefs de chœur sont en pleine répétition autour du Fort Vauban. À J-3 de la grande soirée, tout semble bien se passer. Bien, il y a une bonne motivation, il y a un bon rythme de travail, donc tout devrait bien se dérouler, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il y a toujours la pression avec le souci de bien faire, mais ce n'est pas forcément une pression négative, on va dire, c'est une pression qui induit de l'implication, de l'application, de la concentration, donc voilà. Du côté des fous aussi, tout va bien. Très intensif, mais très bien aussi, il n'y a pas de souci. Et on est dans la bonne ambiance, on rigole, ça super. C'est ma 13e année, donc je suis habituée à l'ambiance. Et voilà, donc je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. L'ambiance est très cordiale et il y a beaucoup d'humour aussi. Donc on travaille dans la bonne humeur et c'est très, très agréable. Ça se passe très bien avec la chaleur, bien sûr, parce que c'est le plus difficile finalement dans l'histoire. Et sinon, c'est une belle aventure, on a beaucoup de chants à apprendre. Donc pour nous, c'est un stage, c'est une occasion de chanter, et c'est ce qu'on aime. Moi, c'est la première fois que je viens en fou chantant, donc c'est une première expérience, et je trouve ça génial, c'est vraiment impressionnant. En prélude du concert de samedi, la Nuit des Fous proposée mardi soir sur la Place des Martyrs. Voilà, c'est un petit avant-goût, on a chanté 6 chansons, on a chanté des chansons connues du public. Et voilà, c'était très sympathique. C'est déjà super, c'est un avant-goût du concert de samedi et vraiment c'est génial. C'est un peu quelque chose qu'on offre aussi à la population, parce que c'est vrai qu'on répète un peu en vase clos au fort, et là c'est le moment de partage avec la population. Et je sais aussi que beaucoup de gens ici n'ont pas réussi à avoir de place. Et donc voilà, ils ont un petit aperçu. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le concert du samedi. C'est pour faire plaisir un peu aux gens. C'est surtout cet aspect d'humanité, de convivialité, de partage. Et cette année, comme en 2000, les fous chantent Jean-Jacques Goldman. Ça fait longtemps qu'on s'est dit, allez, on va refaire, parce qu'on n'a pas fait tout en 2000. Ce répertoire est très, très intense. Sa musique est universelle, elle a traversé les générations. Et donc, on se devait, nous, de refaire un hommage à Jean-Jacques. En plus, j'ai appelé Jean-Jacques qui m'a dit, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Je te propose même un titre, c'est Ensemble chantons Goldman. Donc, quel plus beau cadeau que ça. Il n'y a pas une chanson qu'on a chantée en 2000. Donc, on pourrait en faire 3 encore, et on n'aurait jamais les mêmes chansons. Ça prouve l'étendue du répertoire de Jean-Jacques. Si Goldman ne sera pas présent, Michael Jones et Christophe Willem viendront accompagner les choristes sur plusieurs titres. Jean-Jacques ne sera pas là, il m'a dit tout de suite, il ne sera pas là. Tout simplement parce que voilà, il ne fait plus de vie publique à ce niveau-là. Et ça, on respecte complètement. C'est quelqu'un qui a fait 30 ans de carrière, il a envie de découvrir autre chose maintenant, de vivre tout simplement, c'est son choix. Mais il sera avec nous. On entendra sa voix un moment, quand il a dit ces choses-là, et d'autres choses très très belles qu'il nous a dites. Et il y aura son compère de toujours, Michael Jones, et Christophe Willem, qui participe aussi à la grande fête des Enfoirés. Donc, il sera présent, il sera là. Ne serait-ce qu'avec la chanson des fous, offerte par l'artiste.